Retest 1, 2 du micro. Alors, salut tout le monde, ici Jerpost. Alors, donc, je peux pas parler trop fort parce qu'il y a ma mère et ma soeur qui dorment à côté. Du coup, il faut respecter le sommeil des gens. Alors, dans cette vidéo, on va parler de trois choses essentiellement qui m'ont saoulé. Est-ce que tu vas faire un faux contact après? Ouais. Du coup, on va parler de trois choses qui m'ont saoulé récemment. Bien, bien galante. Du coup, ouais. Faut que je parle tous, moi j'ai oublié. Du coup, voilà. Tu m'entends bien comme ça. Du coup, dans cette vidéo, il y aura plus des montages. Pas vocalement, mais visuatif, ouais, c'est comme ça, voilà. Mais c'est pas français. Du coup, voilà. Je viens de prendre mes cachetons. Certainement bientôt dormir dans le montage. Ça va peut-être rentamer demain. Du coup, voilà. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas fait des gameplays ces temps-ci? Alors, oui, c'est la question qu'on me pose. J'ai pas un motif, j'étais fatigué. J'avais trop de boulot. Et j'avais pas le courage, j'avais la flemme de tourner des vidéos, quoi. Du coup, ouais. Bref, là je vais essayer de programmer ça pour demain. C'est pas sûr. Là, demain, faut que j'aille en vélo à Hydro Dépôt. M'acheter des cartes SD. Du coup, voilà. J'arrête d'attendre. Intro, let's go. Sur deck. Tell me I'm right, tell me I'm wrong, tell me I'm weak, tell me I'm strong. I'll take a hit to the soul and move on. I know that everything I do is wrong. Yeah, you don't know shit about me, you don't know shit about me. Nah, nah, I'm falling down on my knees, looking to heavens I see. Your eyes are coated from feelings too strong. My legs are weak from always moving on. You come back hard in my mind every song. We used to sing but now I sing alone. I feel like shit, wish you were gone. I cannot quit, just move along. My mind is stuck, you don't belong, you don't belong. Ooh, oh. Yo, mon pote. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler des trucs chiants. Yo tout le monde, ici Jerkes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'allais dire nouveau gameplay, moi, puis moi. Aujourd'hui, mais on va parler des trucs chiants. Des trucs qui sont. Voilà. Trois trucs. Précisément. Trois trucs. Là, juste. Laisse-moi pas juste une gorgée de café pour me motiver. J'arrête. Bon. Première anecdote. Alors, tu vois, je crois que les gens ne savent pas ce que ça veut dire un passage coûté, tu vois. Je crois que les gens ne connaissent pas le terme passage coûté en voiture. C'est important de ça. Il y a un mec qui arrive comme un malade. J'attends un peu pour qu'il m'ait vu. Je commence à traverser. Il dit rien premier. Et l'autre derrière, derrière avec sa Golf, je dis, des années 2000, voilà. Je pensais à gagner précédemment. Bon, je connais un peu les marques de voitures, mais pas tous les modèles exactement, tu vois. Ben, le mec de derrière avec sa GTI, il crée en même. Bip! Il monte du doigt. J'avais pas entendu parce qu'en gros j'avais le casque dans les oreilles. Donc j'avais pas entendu ce qu'il avait dit, tu vois. Après, je vais au service jeunesse, qui est dans ma vie. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens dans cette jeunesse que je connais très bien. Voilà. Je dis à quelqu'un que je connais dans la jeunesse, je dis, ah, pas non, c'est sorti. Voilà. Je lui dis, bah attends, je dis un truc, frère, on parle d'un passage coûté là, frère, un passage coûté, un passage coûté. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire? Un passage coûté qui dit passage coûté dit laisser passer les piétons. Et oui, c'est évident. Espèce de bouvine. Mais c'est à toi c'est à moi la priorité de traverser. C'est pas en voiture. Quand t'as un passage coûté, c'est pas priorité aux voitures, c'est priorité aux piétons. À quoi sert un passage coûté? Ah bah c'est juste des lignes blanches. C'est juste des lignes blanches comme ça pour faire décorer. Voilà, pour décorer. C'est juste des lignes blanches. Voilà. C'est pour la décoration. Non! Un passage coûté sert à donner la priorité aux piétons. Si on met pas de passage coûté, mec, comment veux-tu que les piétons traversent?
en pleine rue, en étant suicidaire. Non. Bon voilà. Après, mon pote en question me dit quoi? Il me dit, laisse tomber Joe. T'as des guignols dans la vie comme ça, c'est pas sympa. Voilà. Après, il me dit quoi? Je sais plus pourquoi exactement. Il me dit, allez mon Joe, ça va aller. Maintenant, je vais dire en fait, très clair, facile. Laissez la priorité aux piétons. Aux piétons. Piétons. La personne sans voiture, sans vélo, sans trottinette électrique, sans moto, sans scooter. Tu vois de quoi je parlais? C'est bien rentré dans ton crâne. C'est bien rentré dans ton crâne. Hein? T'as bien enregistré? Hein? C'est bon? T'as compris? You understand? Voilà. Traduction understand, c'est t'as compris. Pour les guignols, ça ne peut pas parler anglais, ouais. Du coup, ouais. Je précise, c'était une vanne. Deuxième chose qui me saoule essentiellement. Tu vois, l'autre jour, j'ai failli rater le bus. Ouais, je monte dans le bus, en gros, voilà. Et t'as les mecs, ils se pètent une barre, mais de malade, parce qu'en gros, depuis rater le bus, c'est juste en mode, je cours après le bus derrière, tu vois. Et les mecs, ils m'ont arrêté comme ça, regarde. Un coquel, t'es content, un gros coquel, un bouffon. Tu vois, les mecs comme ça, j'ai envie de leur mettre des droites dans la gueule. J'ai envie de leur mettre des grosses droites dans leur gueule de merde. Tu prends ton poing et tu lui mets un coup avec ton poing dans la gueule. Le terme de ce qui signifie une droite dans la gueule. Genre, tu prends ton poing, tu mets un coup de poing comme ça, dans la gueule. Voilà. Pour les gogos, ils savent pas se dire mettre une droite dans la gueule. C'est la définition exacte. Ouais. Alors celle-là, c'est passé hier. Troisième anecdote. Du coup, attends deux secondes. Bon. Comment détailler ça sans dire l'identité de la personne? Oui, m'ont rappelé, oui. Les gens ont tout un drame pour un bonjour. Pour un bonjour. Oui, c'est râle demain. En tout ça, c'est pas une la famille, tu vois. Voilà. Alors donc, c'est ça, c'est hier ça. Je vais être tranquille au badminton. Et là, t'as une meuf qui m'avait pris précédemment, avant ce jour-là, la tête au service jeunesse. Ouais, mais ça, t'as pas dit bonjour à ma copine, t'as pas dit bonjour, ouais, t'as pas dit bonjour, ça. Sandra, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Du coup, voilà. Je pars en pétard du service jeunesse. Du coup, ouais, je pars en pétard, moi, je tape dans les murs dehors, soit je tape dans les panneaux, voilà. Oui, t'inquiète pas, je suis totalement serein, je suis pas taré, non. Non, ouais, de toute façon, de base, tu vois, j'ai des problèmes de comportement. Donc, ça fait, quand je suis énervé, je tape dans les panneaux. Fuck la loi, l'état, etc. Du coup, ouais. Non, ouais. Je tape dans les panneaux, on va me défouler. Soit je tape dans les panneaux, soit je tape dans sa gueule, tu vois. Et je vais pas taper une fille, du coup. Voilà. Du coup, on voit. Je me défoule dans les murs, dans les panneaux, tout ce qui est matériel, voilà. Ah oui, traduction matérielle. Quelque chose qu'on peut toucher. Tu vois, ça, c'est matériel. Ma main, elle est matérielle, je peux la toucher. Tu vois, ça, la tâche, je peux la toucher. Alors, tu vois, t'es pas bien de le toucher. Du coup, voilà. Désolé. Non, ouais.
du courage, t'as dans tout ce qui est matériel. Tu vois mec, ça me fait cet effet là quand je prends du café. Et t'en es dans le prince matin boulot. Du coup, bon ouais, ouais, je me défoule. Et là, arrive le jour en question, que la meuf me dit tu me dis pas bonjour, oui. Après je réponds, mais attends, t'es sérieux? Tu me pètes les couilles de jour au service jeunesse? Et tu crois que je vais te dire bonjour? Après, elle part en mode, oh ça y est, ça recommence, nanana. Alors meuf, tu m'as saoulé, tu m'as cassé les burnes au service jeunesse. Moi, je suis quelqu'un de très rancunier. Extrêmement rancunier. Hypermant rancunier. Extraordinairement rancunier. Du coup, voilà. Après, je lui réponds. Donc, t'es sérieuse, meuf? Tu me pètes les couilles de jour sa jeunesse? Après, tu crois que je vais te dire bonjour? Apparemment, d'après un mec que je connais. Là, elle s'est sentie. Tu m'as expliqué. Elle est en mode. Oh, bah, j'ai complètement oublié que j'avais pété les couilles sa jeunesse. Hein, comme c'est marrant, t'avais oublié. Ouais, mais en arrière, lol, mon cul, ouais. Du coup, voilà. T'avais oublié. Mon œil. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Du coup, après, je dis à ma mère, ouais, par contre, elle me casse les couilles, voilà. J'en ai marre de celle-là. Elle me pète les couilles parce que j'ai pas tiré la main à sa pote, voilà. Parce que j'ai pas dit bonjour à une personne qu'elle connaissait parce qu'elle traînait avec elle, tu vois. Franchement, ce genre de personne, ça me saoule. C'est grave. J'ai pas dit bonjour. De deux, arrête de péter les burnes. Les burnes. Les boules. Les boules. Il me casse les couilles. Voilà. Traduction. Pour le plus jeune. Voilà. Arrêtez de me péter les burnes. Pour un simple bonjour. T'as pas dit bonjour. Oh, c'est la fin du monde. Oh, la terre va exploser. Bah. Là, je pense que quand ce sera la fin du monde, ce sera puissance 10. Étant donné qu'on va pas la connaître. Vu que la fin du monde sera peut-être en 3000, 4000 années. Enfin, là, on est en 2022. La fin du monde sera peut-être dans 3000, 4000. Voilà. Conclusion pour la vidéo, arrêtez de casser les couilles au passage piéton qui veulent traverser. Deuxio, arrêtez de faire chier les gens à qui on dit pas bonjour parce qu'on n'a pas envie de dire bonjour à la personne parce qu'elle nous a parlé comme de la merde. Et troisio, arrêtez de vous moquer des gens qui ont failli rater le bus. Voilà. Maintenant, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me pète les burnes, je lui réponds mais salement. Franchement, arrêtez les mecs, arrêtez parce que c'est un truc qui me saoule. Waouh, on n'a pas dit bonjour, c'est la fin du monde. Waouh, j'ai traversé un passage piéton alors qu'il y a une voiture qui est arrivée. Waouh, ah, j'ai vraiment eu peur. Waouh, j'ai failli rater le bus et on se bug. Waouh, c'est vraiment drôle. T'inquiète pas, c'est mes parents. C'est mon oncle. Voilà, non, arrêtez de casser les couilles sur ce genre de sujet. Voilà. Et surtout, arrêtez de me péter les couilles quand je veux pas dire bonjour à une personne. Voilà. Il y a plus grave dans la vie. Il y a des gens qui meurent de faim, de cancer, de tuberculose, de tout. Et vous, vous pétez les couilles pour un bonjour. Oui, les gens qui pètent les couilles pour un bonjour. Il y a des gens qui pètent les burnes pour un bonjour. Waouh, on n'a pas dit bonjour. Waouh, c'est vraiment grave. Là, je dis un truc. Là, si je te casse le bras, là, ça va être grave. Si je te pète le bras, là, ça va être grave. Parce que ce sera au moins 45 jours dans le plat sans se laver. Ah vraiment, si je te prends le poney que tu fais ça, que je te bois dans deux, là ça va être grave.
Là, tu pourras dire, ouais, c'est vraiment grave ce qu'il a fait de la gosse. Ou par un bonjour. On aime dire, mais de la gosse, c'est la possibilité de dire bonjour. Fuck! C'est bon pour toi, là? Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, comme ça, c'est toujours plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à dire en commentaire vos trucs qui vous saoulent. Après, tu peux pas imaginer. Parce que les commentaires, c'est fait pour ça. Et cette vidéo est faite pour exprimer ce qui saoule les gens. Qu'est-ce qui saoule aux gens, tu vois. Et en particulier, ce qui me saoule. Voilà. Du coup, voilà. Gère, like, partage, abonne-toi, commente. Ça te fera plaisir. On se dit peut-être samedi, moi. Pour le montage, étant donné que je suis en vacances dans même pas 2 semaines. Moins de 2 semaines. Du coup, ouais. Like, abonne-toi, partage, commente. Ça te fait plaisir, ouais. Ciao. Ah oui, petite précision. Étant donné que je suis bientôt en vacances. Il y aura certainement plus de vidéos sur YouTube, Insta, tout ce que tu veux, quoi, voilà. Bref, voilà, je te tiens au courant sur Insta, mon Insta, Shoujo Walker, je poste. N'hésite pas, c'est gratuit, je fais des vidéos drôles et d'autres vidéos aussi sympas, voilà. Bref, voilà, je te tiens au courant sur Insta, quand je suis en vacances, pour un max de vidéos. Bref, ciao!